Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les biellettes de Barstab Bulk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biellettes de barre stabilisatrice sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. La biellette de barre stabilisatrice lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Puis, desserre et dépose la rotule supérieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 18. Retire l'écrou. Réitère l'opération sur la rotule inférieure. Freine la rotation de la rotule avec la douille 12 pan M6 et dépose l'écrou avec la clé. Retire l'écrou, puis retire la biellette. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits Bulk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Remets en place la biellette de barre stabilisatrice. Remets en place sommairement les écrous. Commence par resserrer la rotule inférieure, puis revisse la rotule supérieure. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Hey, opération terminée! Salut, c'est Théo de Maclette 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne !